Je suis Barbara, j'ai 38 ans, je suis à Kinshasa en RDC, je suis sapeuse. Pour nous, notre manière de s'habiller, de parler, parce que la sape c'est un monde à part, c'est inné, donc je la sape dans mon sang. Ça c'est l'argent pur. Ça, c'est les Calvin Klein. J'aime porter les habits qui sont griffés. Moi, je porte que les habits d'hommes. C'est comme un musicien, la sape, c'est comme un militaire, c'est comme un sportif. Donc, c'est l'art. Auparavant, on nous déconsidérait. Donc, on nous voyait comme des gens qui, la tête qui ne fonctionne pas bien. On nous regardait, on nous demandait, avec des habits comme ça, trop longs comme ça, vous ne voyez pas le soleil. Mais, quant à moi, Barbara, moi, je savais ce que je faisais. C'est là où j'habite, donc il y a tout le monde qui me connaît. Si ce n'était pas la sape, on ne pouvait pas se voir. Mais maintenant, tout le monde nous envie. C'est que, donc, ce que je fais là, ça fait plaisir à tout le monde. Même les enfants me suivent. Le jour où Papa Oumba était décédé, on s'est promené dans la rue parce que c'est notre icône. On pouvait faire tout ce qu'on voulait parce que c'est notre icône. On montrait les habits, nos griffes, on s'est présenté, donc on tchatchait. Il nous a vraiment fortement manqué. Les autres sapeurs aiment le Yamamoto, le Versace, et le Gianni Umberto, les Kasamoto. On sape, c'est de l'argent. Ici, là, les habits des sapeurs, on ne s'en voit pas ici. Souvent, on achète ça chez les gens qui habitent en Europe. C'est trop cher. Si j'ai envie de revendre ça, j'aurai de l'argent. J'ai mes relations, qui me soutient, qui mes enfants les habillent. C'est pour ça que je me retrouve. Donc, comme moi, je suis sapeuse, je peux se marier avec un homme à mon goût, quoi. Et Marie, il est aussi un artiste, il est catcheur. Zate, sapeur à moi, si, sapeur à mon bal, les gens différents. Zate, donc, on a voulu aller à une côté dans le monde. Donc, à côté dans le monde, à sapeur, on a voulu mettre un bas japon. Un jour, moi, j'aurai un garçon, mon petit garçon aussi, devenir sapeur.